ne suis pas un jouet que tu peux siffler quand tu ne sais plus quoi faire, que tu te sens seule ou que tu veux une fille dans ton lit. Je ne suis pas un personnage de cinéma. Je ne suis pas un fantasme. Je suis réelle. Quoi? Il faut que je te voie. Non. Je veux que tu viennes à la Maison Blanche, je t'attends. Non. Bon, c'est moi qui viens. Quoi? C'est l'heure de pointe, mais selon le temps que mettront Tom... Mais à la sortie de la voiture, je peux être à ton bureau dans 10 minutes. Est-ce que ton équipe est encore là? Dis-leur de rester, j'aimerais les saluer. Tu sais que normalement, je dois être en uniforme quand je viens à la Maison Blanche? Tu cherches à m'attirer des ennuis? Mademoiselle Poe? Il est là-dedans? Oui, mais... Il est seul? Je vais lui dire que vous êtes là. Madame. Bravo, Daniel. C'est bon, Daniel. Quoi? Et si tu t'asseyais? Qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi. Non. Assieds-toi, Olivia. J'ai un planning, j'ai un job, j'ai des gens qui comptent sur moi, je n'ai pas le temps de me précipiter à la Maison Blanche quand tu m'en donnes l'ordre, comme si tu étais la seule personne à être importante. Il est hors de question que je m'assoie, donc dis-moi, tu veux quoi? Toi. Au revoir, monsieur le président. Non, je t'en prie. Rien ne t'autorise à me convoquer comme ça. Je refuse que tu t'éloignes de moi. J'en ai assez. Je te l'ai dit, pour moi, c'est fini. Nous, c'est non, terminé. Non, sûrement pas. Ce ne sera jamais terminé entre nous. Je ne pourrai jamais occulter ce que j'éprouve pour toi. Je sais que ta femme est à Blair House et qu'elle a l'intention d'anéantir ta carrière politique. Tu ne seras jamais réélu si tu ne la fais pas revenir. Ton mandat de président va bientôt se finir et toi, tu ne penses qu'à récupérer ta maîtresse. Combien de fois devrais-je te dire que tu es plus que ça? Je t'en prie, reviens-moi. Pardonne-moi. Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie, arrête de me donner de faux espoirs. Arrête! Non, je n'arrêterai pas, je ne peux pas. Olivia! Je ne suis pas un jouet que tu peux siffler quand tu ne sais plus quoi faire, que tu te sens seule ou que tu veux une fille dans ton lit. Je ne suis pas un personnage de cinéma. Je ne suis pas un fantasme. Je suis réelle. Et si vraiment tu me veux, tu dois me mériter! En attendant, nous deux, c'est fini. Ça avait l'air tendu, j'ai pas entendu exactement ce que vous vous êtes dit, mais... Excusez-moi. J'ai jamais entendu quelqu'un élever la voix sur le président des États-Unis d'Amérique, donc quel était le sujet? Laisse-moi, je veux être seule. Qu'est-ce qui se passe, Olivia? J'ai besoin d'un moment de solitude, je suis